Welcome to Africa. Bonjour, bienvenue sur Vox Africa. Je suis Christelle Pandanzila. Je suis à Lomé, capitale du Togo, située dans l'extrême sud-ouest du pays et courant le long du littoral du golfe de Guinée. Avec plus d'un million d'habitants, Lomé est la plus grande ville du Togo. Elle reste toutefois une petite métropole qui a su garder un cachet humain. Et de l'humain, il en est question aujourd'hui, et plus précisément de la femme, à l'occasion de la troisième édition de la Women Night, organisée par la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique et l'agence d'événementiel Éclat d'Étoiles à l'hôtel 2 février de Lomé. Mesdames, Messieurs, les ministres du gouvernement togolais, Excellences, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique, honorables députés, Mesdames, Messieurs, les invités spéciaux, venus des autres pays, chers invités, Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous ce soir pour vous souhaiter la bienvenue à cette troisième édition de la Women Night. L'agence d'événementiel Éclat d'Étoiles que je dirige a créé la Women Night pour mettre à l'honneur des femmes méritantes et battantes. La fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, présidée par Madame Trinou, et qui a comme objectif de mener des actions concrètes et utiles pour construire une société plus juste et solidaire, dans laquelle chacun trouve sa place, s'est donné comme mission de participer à l'effort de modernisation du système de santé togolais. La fondation que j'ai l'honneur de présider a pris l'initiative de vous aider à améliorer les conditions d'accueil dans vos locaux. Parce que la mission portée au bien-être des jeunes mamans et leur bébé est un des objectifs prioritaires de notre fondation. Aujourd'hui, nous sommes pleinement satisfaits que ces locaux soient mieux aménagés et retrouvent un état de fonctionnement plus adapté à vos besoins. En collaboration avec l'ONG M Afrique et soutenue par des partenaires, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique entend inscrire ses actions dans la durée pour apporter des solutions pérennes et expérimenter de nouvelles façons d'agir au profit des personnes les plus fragilisées, et en l'occurrence les femmes et les nouveau-nés. Les premières actions se sont concentrées sur la réhabilitation et le don de matériel à la maternité de l'hôpital de Bay à Lomé. En marge de la Journée internationale des droits des femmes, le samedi 9 mars, plus de 300 personnes du monde politique, des médias, du monde sportif et d'organisations internationales se sont réunies comme chaque année depuis 2017 à l'invitation de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique et de l'agence Éclat d'Étoiles, pour mettre également en lumière des femmes aux parcours exceptionnels et pour promouvoir les droits de la femme à travers diverses actions caritatives. En fait, il est important pour nous, au-delà donc du travail que nous faisons avec nos grossistes, d'accompagner en fait toutes les femmes qui travaillent sur la chaîne de valeur. Aujourd'hui, Civilisco est là, c'est grâce aux Nana Bins. Sans elles, nous ne serions pas là. Et dans ce que nous faisons beaucoup d'actions sociales. On fait des actions de communication, mais également de sensibilisation, par exemple autour du cancer du sein. Nous avons des boursières, des jeunes filles méritantes des universités de Lomé et de Cara que nous soutenons financièrement, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir terminer leurs études. Nous faisons aussi des actions dans des écoles où nous parlons des grossesses précoces, comment les éviter. Donc on fait des petites choses qui ne sont pas forcément reconnues, sur lesquelles on ne souhaite pas forcément communiquer.
marquer, parce que c'est pas ça le principe, mais c'est de pouvoir marquer les jeunes femmes, et de leur dire oui, Blisco est là, on ne fait pas qu'habiller les femmes de l'extérieur, mais on les habille aussi de l'intérieur. C'est important d'accompagner ce genre d'événement parce que c'est important de mettre en lumière les femmes togolaises, les femmes en général qui font des choses dans leur petit coin et qui sont pas reconnues. Woman Night, de ce que je sais, de ce que j'ai vu de la première édition, valorise vraiment les actions des femmes, qu'elles soient singulières ou tout simplement comme toutes les femmes, mais qui font des choses au quotidien. Donc c'est pour ça que j'accompagne, c'est pour ça que Blisco accompagne cet événement. Je souhaite vraiment que les jeunes filles prennent la parole, qu'elles s'imposent, qu'elles n'aient pas peur de parler en public, qu'elles n'aient pas peur de dire ce qu'elles ont envie de faire. Aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs jeunes filles qui m'ont dit « Mais madame, on est très contente de vous voir. Nous, on est différentes. Je suis différente. Mais cette différence dérange les gens. Je ne sais pas. On me dit tout le temps « Je ne suis pas normale, je ne suis pas bien. » Je dis « Non, mais c'est votre différence qui fera votre singularité. Continuez. Vous n'êtes pas obligé d'être comme tous les autres. » Donc j'aimerais que les femmes togolaises prennent le pouvoir, qu'elles s'imposent et qu'elles clament leurs différences. Ça permet de faire réfléchir sur la condition féminine, sur les inégalités, sur la disparité entre les salaires, sur le traitement fait aux femmes un peu partout dans le monde. Donc, à chaque fois que ça permet de faire réfléchir sur la situation des femmes dans le monde, c'est un petit pas en avant. C'est pour ça que moi je participe à toutes ces soirées. Moi j'ai lancé Graines du Togo où cette année on a 2500 filles nées en 2003, 2004, 2005, 2006 qui participent. Donc on bat tous les records. Donc on est en train, et c'est le président de la République, le parrain de Graines du Togo. Donc il se passe quelque chose au Togo pour le sport féminin. Alors, je parle moins que de ce que je connais, c'est le football, mais plus on développera le football féminin et le sport féminin, plus les femmes se sentiront bien dans leur peau et plus elles pourront grimper les échelons, parce qu'il est temps. Moi, en plus, moi je suis dans le matriarcat total, j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère, j'ai une femme et deux filles, donc vous voyez, autour de moi, il n'y a eu que des femmes de ma naissance à maintenant. Je suis dans le domaine de la coordination internationale, donc tout ce qui est pont entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Donc je suis venue soutenir la fondation, soutenir l'événement, soutenir la personne qui œuvre à ce que les femmes soient représentées. Et ça a été à l'aube de la journée de la femme. Et je souhaiterais vraiment que ce ne soit pas qu'une journée, mais qu'au quotidien, on puisse célébrer les femmes dans tous les domaines, dans tout ce qu'elles font, et la femme africaine, la femme de tout horizon. Femme chef d'entreprise, que revêt cette soirée pour vous ? Alors cette soirée est très très importante pour moi parce que c'est une représentation de toutes les femmes entrepreneurs, toutes les femmes noires, toutes les femmes africaines. Et au lendemain de la journée de la femme, franchement ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de soirées comme ça. On en a une par an et donc quand on l'a, on y va. Et on est venu supporter Marie-Jo qui fait du très 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 bon boulot. Il nous faut peut-être des soirées comme ça, encore plus, pour que la femme veuille se faire plaisir, veuille se faire belle. Vous êtes entre New York et Lomé, avec une intention peut-être de définitivement vous installer ici et participer à l'économie du pays. Définitivement, en fait ce n'est qu'une question de moi, pour moi, parce que je veux rentrer et il est temps de rentrer et il est temps qu'économiquement les jeunes rentrent, aident leur pays et surtout dans l'entrepreneuriat et aussi en tant que femme, c'est très important de rentrer et de faire quelque chose au pays. Eden, ça fait des années que vous parcourez les terres africaines, donc aujourd'hui à Lomé pour célébrer la femme. Que pensez-vous justement du combat des femmes et où on en est arrivé aujourd'hui en 2019? Je suis toujours très impressionnée de voir comment la femme, avec parfois peu, arrive à mener sa famille, à éduquer ses enfants, à les faire avoir des réussites. Quand je pense à un pays à côté, on avait rencontré des Nana Benz et voilà, en vendant du pagne, elles avaient réussi à donner une belle carrière à leurs enfants. Et ça, c'est une vraie force, cette ténacité qui est à toute épreuve. Maintenant, je trouve que malgré l'avancée dans beaucoup de choses, dans plein de domaines, la femme est encore très subit beaucoup de choses. Accepte et subit des choses qui sont parfois inacceptables. Et là, je pense à la violence, je pense au mépris, je pense au fait que certains veulent lui dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir accès à telle ou telle chose. Et pourtant, on a
les potentialités pour avoir accès à tout. Et tout ce qu'on récolte, on le transmet à notre famille. Donc c'est pour la société de demain. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous limitez pas, allez toujours plus loin. Ces dernières années, le Togo a modernisé plusieurs de ses textes de loi. Les autorités locales ont également pris plusieurs initiatives pour la promotion de l'égalité entre les genres. Ces avancées vont de l'adoption d'un nouveau code pénal plus égalitaire à un nouveau code foncier balayant l'ambivalence des textes qui pénalisaient les femmes du pays, en passant par une stratégie nationale d'intégration du genre dans les politiques et programmes de développement. Le gouvernement a également procédé à la révision de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Les données du dernier sondage Afrobaromètre ont confirmé les progrès enregistrés au Togo dans le domaine de l'égalité entre les genres. En 2011, la cote de l'égalité entre les genres au Togo était de 27%. Elle passait 2 ans plus tard à 66%, résultat des efforts menés par le gouvernement. Citons comme exemple récent l'élection de la députée Yawa Djigbodi-Tegan à la tête de l'Assemblée nationale du Togo le 23 janvier dernier. Inspectrice des impôts, Madame Tegan devient la première femme à occuper ce poste au Togo. Autonomiser les femmes et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes est déterminant pour accélérer le développement durable. C'est ainsi que différentes personnalités du monde culturel et politique togolais ont tenu par leur présence à encourager les actions de ces femmes modèles. Elles doivent oser. Elles doivent accepter de se former. Elles doivent pouvoir exceller. Là où elles sont, pour pouvoir demain occuper des postes de décision, pour pouvoir influencer leur communauté, influencer l'avenir du pays. Elles sont prêtes à faire comme les hommes et même à les surpasser. Nous avons du potentiel. C'est pour encourager éclat d'étoiles. Et ensuite, pour féliciter, encourager, soutenir toutes les femmes, nos mamans, nos sœurs, nos grandes sœurs, pour toutes les contributions qu'elles apportent au développement de nos pays, à l'épanouissement de nos sociétés. Et sans les mamans, il n'y aurait rien. C'est elles qui nous donnent la vie, c'est elles qui nous élèvent, c'est elles qui apportent la paix, la pacification dans nos sociétés. Alors donc c'est vraiment un geste d'engagement, de solidarité, de soutien envers toutes les femmes, d'abord togolaises, africaines et à travers le monde. Cinq associations venues de la région maritime, des plateaux, Centrale, de la Cara et des Savanes, ont vu pour cette 3e édition de la Women Night leurs efforts déployés sur le terrain, consacrés par leurs pairs. Depuis 2009 que j'ai créé cette association, et tout ce que nous avons fait comme des activités, je pense que Dieu Tout-Puissant a voulu que je sois primé par Fondation Agir. C'est Dieu qui a voulu que je sois parmi les femmes du Togo, des 5 régions de ce pays, et je fais partie des femmes primées. Notre objectif, c'est de voir l'environnement propre. Et c'est dans ce cadre que l'association compte plus de 11 sous-sections, dont je suis la fondatrice de cette association dénommée AFMICAB, Association des femmes musulmanes unies pour la compassion, l'amour et la bienfaisance. Nous luttons pour le droit de la femme et de la jeune fille. Nous entretenons des lieux publics, les lieux de prière. L'association est créée en 2006, le 20 septembre 2006, dans la région des Savanes. Oui, il y a eu une amélioration en faveur des femmes et des jeunes filles. Aujourd'hui, les femmes qui n'arrivaient pas à prendre la parole en public, je vois qu'elles font beaucoup de choses. Avant, surtout en Afrique, la femme n'avait pas droit à la parole. La femme n'avait pas le droit de sortir, s'exprimer. Vraiment beaucoup de choses qu'elle subissait, surtout la violence faite aux femmes,
aux jeunes filles. Elles n'avaient même pas l'accès à la scolarisation des filles ou des femmes. Mais aujourd'hui, on a vu que tout ça, là, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé dans notre vie et surtout dans notre association. Que ce soit celle de urbain ou celle de rural, vraiment, il y a un changement. La soirée de gala Women Night, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière la créativité africaine. La superstar de Nollywood, la Nigériane Patience Ozokwor, marraine de l'événement, elle-même investie dans des actions caritatives, était l'invitée d'honneur de la soirée. Quand vous parlez de femmes, vous parlez de famille. Un enfant peut avoir un père, mais la première personne vers laquelle il se tourne quand il a un problème, c'est sa mère. Nous parlons de femmes aujourd'hui, et plus particulièrement de femmes africaines. Je me devais d'être là, parce que je suis fière d'être une femme africaine. Je crois fortement en la force de la femme africaine, qui fait qu'elle survit là où d'autres femmes n'auraient pas pu. Je vois donc les femmes africaines comme des femmes fortes, qui se lèvent face à l'adversité et se battent pour élever leurs enfants, qu'elles soient accompagnées, mariées ou seules, comme moi. Des femmes qui restent éveillées tard dans la nuit pour donner la meilleure éducation possible à leurs enfants. J'accompagne donc toutes les initiatives en faveur des femmes. Voilà pourquoi je suis là. Défilés mêlant tradition et modernité par les créateurs Nadiaka et Bamundi et des prestations de la légende togolaise Afia Mala ont émaillé la soirée. Je trouve important de venir ici pour soutenir l'événement parce que je pense que c'est un événement qui valorise la femme. C'est un événement qui met en valeur la femme, qui montre les efforts de la femme. Donc ça permet en ce sens de féliciter la femme pour tous ses efforts. Être Miss Togo, c'est un rêve de jeune fille. Après le rêve de jeune fille, il faudrait réaliser celui de la femme au foyer. Vous voyez? Donc pour pouvoir atteindre ce rêve, il faut vraiment fréquenter, avoir des diplômes pour pouvoir s'affirmer demain. Voilà, pour pouvoir être avec les femmes leaders, recevoir des trophées. Et il faut toujours œuvrer dans l'humanité parce que ça paye. Dieu récompense pour cela. Il est important de valoriser les femmes africaines. Il est important de véhiculer un message, raison pour laquelle je suis présente aujourd'hui. Un message à passer aux jeunes filles qui vous voient à la télé et qui aspiraient peut-être à suivre vos traces. Effectivement, c'est d'insister et de continuer à suivre ma lignée, de continuer à me suivre. Parce qu'au-delà d'être un concours de beauté, bien vrai qu'on est, Miss Côte d'Ivoire, Miss Togo, Miss peu importe le pays, mais on véhicule des valeurs. Et c'est ces valeurs-là qu'il faut mémoriser, qu'il faut retenir. C'est ça le plus important. Et surtout, surtout, rester dans le personnage dans lequel on se sent le plus à l'aise. Voilà. Merci beaucoup. Les ambassadrices de la beauté, c'est important. Non,
Bon, je traînerai comme ça, hein. Mais sinon, quand même, il faut reconnaître que le Togo, c'est un beau pays. Mais j'ai envie de vous demander, vous étiez où quand on partageait les territoires? En fait, c'est juste une petite question, quoi. Non, franchement, Togo, là, c'est trop petit. Et si on ne pouvait pas négocier avec les voisins, vous allez couper un peu pour compléter. Souvent, même tu es dans l'avion, tu veux atterrir au Togo, on dit que tu as dépassé. Il entend derrière, oh, ça, move your feet, qui est Isgada? Même le même à pied, tu peux traverser. Pourquoi? Ça fait que j'ai l'impression que tous les Togolais, ils dorment pas de façon verticale, mais ils dorment de façon horizontale. Parce que si tu dors, tu pousses tous tes pays, même à elle, le vent là-même, tu peux te retrouver au Bénin. Non, mais ça va aller, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est bien. Mais ce qui nous plaît, c'est que le Togo est un pays fort, avec un peuple fort. Des moyens forts et surtout un président fort. Même dans sa main, il y a un fort lien. Comment je peux avec ça? Diva internationale Charlotte Dipanda qui a échu l'honneur de clôturer en beauté cette troisième édition de la Women Night. La Women Night est désormais un événement installé dans le paysage togolais qui invite les femmes togolaises et plus largement africaines à jouer pleinement leur rôle dans la construction d'un Togo plus respectueux des droits des femmes, égalitaire et épris de justice. Vous êtes nos étoiles. Merci à tous. Oh,
et fière de